Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'essaye le nouveau Mercedes G63 AMG dans une édition spéciale Stronger Than Time qui célèbre les 40 ans de ce baroudeur mythique. Dans cet essai, je vais vous présenter ses caractéristiques extérieures. Ensuite, je passerai à l'intérieur de ce clagé. Et enfin, je vous donnerai mon avis sur son comportement routier sur la route, mais aussi et surtout en off-road. Les amis sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17h, je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche, pareil sur notre compte Instagram Le Vendeur Automobile, et moi je vous dis à tout de suite. En 1979, c'est la naissance du Mercedes classe G. G, c'est la première lettre du mot allemand Geländewagen, qui signifie véhicule tout terrain. Ça pourrait être aussi une dédicace à la ville de Graz, dans lequel le classe G est produit à la main depuis 1979. Il faut savoir qu'au fil des ans, c'est un véhicule qui a cultivé les contradictions. On est passé d'un véhicule baroudeur rustique tout terrain à un véhicule qui n'était quasi que utilisé dans les centres-villes avec des motorisations de voitures de sport. Les AMG, comme celui que j'essaie aujourd'hui, le G63 AMG, déjà avec un 6 litres 3, puis ensuite un 4 litres, comme celui que j'essaie aujourd'hui. Et il y a eu aussi les versions G65 AMG, un V12 de 630 chevaux de puissance, avec des performances stratosphériques forcément, tout comme sa consommation. J'avais eu la chance d'en essayer un dans Paris, j'étais à plus de 44 litres de consommation aux 100 km, c'est dire. En 2018, Mercedes rebat les cartes avec son classe G. Il faut savoir que la première génération, elle a été produite de 1979 à 2017. Avec ce nouveau classe G, elle reprend déjà beaucoup d'éléments qui en ont fait le succès, comme par exemple son châssis échelle, qui lui permet d'être très efficace en tout terrain. Je vais vous en parler dans la suite de la vidéo. Il faut savoir que cette nouvelle génération, elle est associée à un train avant avec une suspension à double triangulation et un essieu arrière rigide. Toutes les modifications ont été faites pour améliorer le confort et la polyvalence de la voiture et ainsi le rendre moins rustique que son apparence ne laisse supposer. La version que j'essaie aujourd'hui, c'est l'AMG 63 dans son édition qui célèbre les 40 ans de ce classe G tout simplement mythique. Vous allez voir, il y a beaucoup de différences par rapport au G63 AMG, entre guillemets de base, sur l'extérieur et aussi à l'intérieur de la voiture. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Première chose à noter, vous pouvez en option pour 600€ avoir le pare-brise chauffant. Ça vous permettra de dégivrer votre pare-brise en quelques secondes lorsque vous êtes à la montagne par exemple. Si on regarde l'avant de ce classe G, on reconnaît bien sûr l'ancien modèle, mais il y a quand même des différences. Alors moi j'ai noté trois différences vraiment majeures. Déjà sur l'avant, on a le bouclier avant qui a été redessiné. On a aussi cette nouvelle signature lumineuse à LED. Ce sont des projecteurs multibeam à LED qui comprennent l'éclairage actif dans les virages et aussi le faisceau sélectif qui vous permet de ne pas éblouir les gens qui viennent en face de vous. Beaucoup d'autres éléments de l'ancien classe G ont été repris. Vous avez peut-être remarqué les feux de clignotant qui sont situés sur le côté, à côté du capot moteur. Vous avez aussi les boutons poussoirs, un peu à l'ancienne, comme les anciennes voitures des années 70 et 80. Ils ont été repris dans ce classe G. À l'intérieur, les trois boutons de commande des différentiels sont toujours présents sur la console centrale, tout comme la poignée de maintien pour le passager et la roue de secours sur le coffre de la voiture. Six teintes de carrosserie sont proposées sur cette édition limitée, notre modèle d'essai, à la couleur noir nocturne Magno G Manufacture, qui est facturé 5 200€ tout de même. Sur les jantes 22 pouces, elles sont forgées bicolores avec des étriers de frein badgés AMG et elles sont sur des pneus de 295 mm de largeur sur les 4 pneus du véhicule. On retrouve le sigle V8 Biturbo et AMG. Il y a beaucoup d'inserts décoratifs en Silver Shadow comme les coques de rétroviseur, les baquettes latérales. On a aussi le marchepied, les échappements. Il y a des échappements de chaque côté de la voiture, vous en avez 4 avec un clapet actif, donc vous pouvez modifier l'intensité sonore de l'échappement via un bouton situé à l'intérieur de la voiture. Le réservoir est fait 100 litres,
vous avez 25 litres de plus que le Classe G 500. C'est le même V8 4 litres, mais il y a un peu plus de puissance dans la version AMG, forcément. À noter qu'il y a les portières qui ont été redessinées sur cette nouvelle version par rapport à son prédécesseur. Et enfin, pour finir, le dernier insert décoratif se situe sur la roue de secours à l'arrière de la voiture. Pour continuer sur la roue de secours, elle a une coque rigide et elle reprend la même teinte que la carrosserie de la voiture. On retrouve toujours des inserts en Silver Shadow et aussi sur les bas du pare-choc. Alors, cette roue de secours, sachez qu'elle ne contient pas la même jante que les jantes 22 pouces forgées que je viens de vous montrer. Ce sont des jantes à rayons. Ça lui donne un côté baroudeur. Forcément, il y a peu de voitures aujourd'hui qui ont une roue de secours à l'arrière. Par contre, l'inconvénient, c'est que lorsque vous conduisez la voiture, votre visibilité est fortement réduite. C'est dommage. Alors, sachez que le coffre, bien sûr, il ne s'ouvre pas vers le haut, mais il s'ouvre latéralement, tout simplement à cause du poids de la roue de secours. Ça pèse énormément et on n'aurait pas pu mettre un système d'ouverture qui s'ouvre vers le haut. Alors, on peut décigler votre Classe G63 MG, donc ça retirera l'inscription G63 sur l'arrière et aussi sur le côté de la voiture. Les boutons poussoirs, on les retrouve, tout comme les anciens Classe G, et Mercedes a mis un point d'honneur à recréer la même sonorité, le même bruit d'ouverture et de fermeture que sur les anciens Classe G. Écoutez plutôt. Regardez, c'est un bruit à l'ancienne. Alors, le problème de ça, c'est que comme c'est un peu à l'ancienne, il faut bien pousser lorsque vous souhaitez fermer le coffre, mais aussi les portières latérales, parce que sinon, contrairement à des voitures modernes qui peuvent être équipées par exemple du soft close, sinon votre porte ne se ferme pas. Donc bien attention à ça. Autre élément à noter, la caméra sur l'arrière, elle se situe juste en dessous de la roue de secours. Alors faites attention quand même, parce que souvent on a l'impression que le mur est assez loin et en fait, vous avez la roue de secours qui va toucher le mur, donc faites gaffe. Vous pourrez la nettoyer, il y a un petit bouton qui est situé sur la console centrale qui vous permettra de faire sortir cette caméra et vous pourrez nettoyer l'optique. Crochet d'attelage qui est disponible, qui est couplé au système ESP de la voiture, ça vous permettra de stabiliser la remorque lorsqu'il y a un louvoiement prononcé de la remorque. Ici aussi un crochet de remorquage, mais aussi vous pourrez installer vos manilles pour vous faire tracter si vous êtes tanké en franchissement, ça c'est quand même super pratique. Pas d'ouverture automatique du coffre à cause de la roue de secours, bien sûr. En revanche, l'intérieur est ultra luxueux à la hauteur de l'habitacle de la voiture. On retrouve un capitonnage en cuir, une poignée de maintien à l'intérieur qui est en finition fibre de carbone, ce qui est assez rare quand même. À l'intérieur, on a 424 litres d'espace dans le coffre. Alors les 424 litres, c'est lorsqu'on se situe sous le cache-bagage. C'est un cache-bagage EasyPack. On a un filet de séparation aussi qui est disponible. Il y a vraiment beaucoup de hauteur dans ce coffre. Je pense qu'on rentre facilement une cage avec un ours, c'est dire. Alors bien sûr, vous avez une trousse de premier secours, des éclairages pour éclairer le contenant de votre coffre, des filets de rangement, des crochets d'arrimage et une protection de plancher du coffre qui est disponible et aussi une prise 12 volts pour par exemple brancher un gonfleur. Et sachez que la banquette arrière est rabattable. Ça vous permettra d'augmenter le volume de chargement dans votre G63 AMG. Merci à Marcel Gauss. Vous ne le connaissez peut-être pas. Moi non plus, je vous rassure, c'est la personne qui a assemblé ce moteur. Pour rappel, chez AMG, à chaque fois qu'un moteur est assemblé, la personne qui s'est occupée de cet assemblage, elle signe le moteur avec cette petite plaque qui est située juste ici. On est sur un V8 4 litres de cylindrée qui développe 585 chevaux pour 850 Nm de couple. Des performances qui sont excellentes, un 0 à 100 km/h en 4 secondes 5, une vitesse max de 220 km/h. Vous pouvez la relever à 240 km/h si vous optez pour le Drivers AMG Package qui est facturé 2300 euros. Une transmission aux 4 roues via une boîte automatique à 9 rapports, la DCT Speed Shift de chez AMG. Au niveau de la consommation, elle est annoncée en mixte à 13,1 litres par Mercedes. Nous, on a fait 900 km avec ce G63 AMG. On a constaté une consommation de 16,5 litres quand vous conduisez vraiment, vraiment calme. Limite au point mort en descente, non, j'exagère à peine. Sinon, dès que vous augmentez le rythme, là, on est plus sur 22 à 23 litres au 100 km. Il consomme d'ailleurs beaucoup moins que l'ancien. Moi, j'avais testé le G65, comme je vous disais tout à l'heure, et aussi le G63. Je pense qu'il consomme 10 à 15 litres de moins par rapport à l'ancien. C'est quand même à noter. Et enfin, pour finir, vous pouvez en option pour 900 euros avoir le cache moteur juste ici avec le logo AMG et le sigle Mercedes en fibre de carbone.
Au niveau de ses dimensions, il mesure 4,87 m, c'est 20 cm de plus que l'ancien. La largeur 2 m, la hauteur 1,97 m. Alors 1,97 m, ça lui confère un aspect très massif. L'inconvénient, et pas des moindres, c'est qu'il est impossible de rentrer dans des parkings puisque les hauteurs maximum dans la plupart des parkings sont à 1,90 m. Au niveau de son poids, 2485 kg à vide sur la balance, donc heureusement qu'il y a des aides à la conduite pour contenir ce poids et lui permettre d'évoluer sereinement, notamment sur les routes sinueuses. Je vous en parle ensuite dans l'essai routier. Le G63 AMG s'échange contre un chèque de 184 000 euros, c'est 20 000 euros de plus que le G63 de base. Notre modèle d'essai, lui, s'affiche à 193 000 euros, notamment à cause de sa teinte extérieure en noir carbone, mat. Vous avez aussi le Drivers AMG Package qui relève la vitesse maximum de 220 à 240 km/h. Il y a le volant carbone Dynamica également qui est présent et vous avez le cash moteur en carbone qui est facturé 900 euros. Alors, au-delà de ces 193 000 euros, il faudra ajouter le malus. Il émet 199 g de CO2 par kilomètre. Je trouve ça pas beaucoup pour un mastodonte comme ça avec un V8 de 585 chevaux pour le coup. Mais vous paierez le super malus de 20 000 euros. Sans compter le prix de votre carte grise. Donc là, on va avoisiner les 30 000 euros à l'immatriculation pour ce mastodonte. Donc ça va vous faire un chèque d'environ 220 à 225 000 euros à signer. Si vous souhaitez acheter un G63 AMG, envoyez-nous un email à contact@levendeurautomobile.com. Nous avons d'excellentes conditions sur des véhicules français. 2,89 m d'empattement, c'est 5 cm de plus que l'ancien Classe G. Et vous avez, je vous le rappelle, 20 cm de plus en longueur. Donc on a beaucoup de place pour les jambes si je compare à l'ancien. Moi, dans l'ancien, par exemple, si je réglais le siège conducteur pour ma taille, derrière, j'étais vraiment complètement recroquevillé. Donc ça, c'est un excellent point. En plus, on a une très bonne garde-toit. Donc là, je fais presque 1,90 m. Regardez, j'ai encore beaucoup de place au-dessus de ma tête. J'ai facile au moins 15 cm. Alors, sachez que le ciel de pavillon noir Dynamica, il est livré de série dans cette édition limitée. Vous n'avez pas de toit ouvrant panoramique, mais par contre un toit ouvrant classique qui apporte quand même pas mal de lumière. Sachez que vous pouvez avoir des écrans tactiles de divertissement pour les passages arrière qui font une taille de 10 pouces. C'est une option à 2400 euros. Également, vous pouvez avoir les airbags latéraux qui viennent en plus des airbags rideaux qui sont livrés de série. Ça, c'est une option qui coûte seulement 500 euros et ça permet de protéger le thorax des passagers arrière en cas de collision latérale. Ça peut s'avérer très sécurisant. On a bien sûr des poches aumônières juste ici. Alors les poches aumônières, je vous en parle parce qu'il n'y en a pas dans toutes les voitures. Vous vous rappelez peut-être de l'essai de la Tesla Model X dans laquelle il n'y avait pas de poche aumônière. Très beau cuir à l'arrière et ici une trappe à ski. Donc vous pourrez aller à la montagne avec votre G63 AMG. Et enfin, les contre-portes qui sont complètement recouvertes de cuir avec ce matelassage juste ici du plus bel effet. De très belles poignées d'ouverture, des finitions en fibre de carbone, du cuir. Vous pouvez activer le chauffage des sièges à l'arrière, indépendamment droite et gauche. Et vous avez ici l'enceinte du système Burmeister qui est livré de série. Vous avez 15 haut-parleurs et surtout 590 watts de puissance. Pour finir, alors ça, c'est quelque chose qui m'a un peu étonné. Ce sont les tapis de sol à l'arrière. Vous savez, la plupart des voitures ont un seul tapis de sol qui, en fait, recouvre tout l'arrière. Ben là, pas du tout. Mercedes a choisi d'en mettre trois. Vous en avez un à droite, un à gauche et un au centre. Spécifique à cette version Stronger Than Time, c'est l'inscription lumineuse Stronger Than Time qui est projetée sur le sol lorsque la luminosité est faible. Alors, on retrouve bien sûr le même design que sur les contre-portes arrière que je viens de vous montrer. À la différence près, vous avez quand même ici le réglage de vos sièges multicontours. Le siège multicontour chez Mercedes permet d'avoir un réglage extrêmement fin de votre position de conduite grâce notamment à un système de coussins d'air. Vous avez 14 coussins d'air sur le dossier et 4 coussins d'air qui sont présents sur l'assise. Les sièges sont chauffants, massants. Et ventilé, vous avez 8 programmes de massage quand même qui sont disponibles. Sur tous les classes G, vous avez un sigle. Lorsque vous ouvrez votre portière, qui est juste ici, il y a marqué Mercedes-Benz G Schockel Proved. Schockel, c'est une montagne située juste à côté de l'usine de fabrication du classe G à Graz, en Autriche. Et cette montagne culmine à 1445 mètres. Et il y a une route très escarpée avec des pentes très importantes.
Et en fait, tous les classes G qui sortent de l'usine doivent être capables de monter et de gravir cette montagne de 1445 mètres. Quatre modèles de volants sont proposés sur notre modèle d'essai. On a le volant carbone et Dynamica qui est facturé 1000 euros. Vous avez aussi le volant de série qui est le volant performance AMG en cuir Napa. Le volant performance AMG en cuir et bois qui est facturé lui 800 euros. Et enfin, le volant performance AMG en cuir Napa et microfibre Dynamica qui est facturé 600 euros. Il peut être chauffant également pour 400 euros. Sachez qu'une fois que le dispositif est activé, la surface de préhension extérieure du volant est réchauffée jusqu'à atteindre une température d'environ 35 degrés. Sur la disposition des commandes, elle est identique aux autres modèles de chez Mercedes. Je ne vais pas revenir dessus. Sur le G63 AMG, on a quand même des commandes supplémentaires, comme par exemple cette molette ici, qui permet de changer le mode de conduite. Là, vous pourrez déconnecter l'ESP avec cette commande et avec la commande juste au-dessus, vous pourrez régler vos suspensions. Sur le sélecteur de vitesse également, c'est le même que sur d'autres modèles Mercedes. C'est d'ailleurs le même que sur les Tesla. La Tesla Model X Performance que j'avais essayé a le même sélecteur de vitesse. Et au niveau de la dalle numérique, donc écran d'instrumentation et écran d'infodivertissement, on a la technologie widescreen et les deux écrans font une taille de 12,3 pouces. La planche de bord est toujours très verticale, ça a été repris de l'ancien. La partie supérieure et inférieure de la planche de bord est revêtue de cuir Napa. Je trouve que ça lui donne un côté très exclusif. J'aime bien. On a l'Apple CarPlay, l'Android Auto, mais c'est pas tactile. Notre modèle d'essai est équipé du pack stationnement avec caméra panoramique, qui est d'ailleurs livré de série. Vous avez cette fameuse vue aérienne de votre voiture lorsque vous la parquez. On a la molette Dynamic Select qui est à gauche du pavé tactile. Donc cette molette, ça vous permet de choisir votre style de conduite. Selon le programme de conduite sélectionné, vous avez un certain nombre de paramètres tels que la transmission, les volets sur l'échappement inclus d'ailleurs, la direction et la fonction start and stop, l'ESP, les systèmes d'assistance à la conduite et le train de roulement à amortissement adaptatif sont pilotés automatiquement. Vous avez quatre modes, le mode confort, sport, sport plus et individual. On retrouve également ces fameux trois boutons mythiques des systèmes de réglage de différentiel. Vous en avez trois. Je vais y revenir sur la partie off-road. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne et dans quel ordre, surtout, il faut les déclencher. Vous avez un éclairage d'ambiance 64 couleurs et 10 ambiances chromatiques. Et ça, vous pourrez le régler directement sur votre système d'infodivertissement. On a aussi une ionisation de l'air ambiant avec un système de filtre à particules fines à charbon actif et spécifique à cette version Stronger Than Time, au cas où vous oublierez que vous êtes dans cette version limitée, vous avez le sigle Stronger Than Time sur la poignée de maintien passager. Alors, on n'a pas de système de recharge par induction du smartphone. On a juste deux portes gobelets qui ne sont même pas thermorégulées. Ça, c'est dommage. Le système de commande du système d'infodivertissement avec ce pavé tactile, bon, il est un peu vieillot. Ça fait quelques années que Mercedes l'utilise. On le retrouve d'ailleurs dans les Aston Martin, les Vantage et DB11 qu'on avait déjà essayé sur notre chaîne YouTube. Et vous avez sur la droite l'activation de l'échappement, puisqu'il y a un système de clapet. Donc lorsque vous appuierez sur ce bouton, l'échappement fera une sonorité plus importante. Vous avez également le bouton Low Range, qui permet de passer en vitesse courte. Ça vous permet d'avoir plus de couple lorsque vous êtes en situation difficile en tout terrain. Je vais y revenir sur la partie de l'essai off-road. Et pour finir, sous la coudoir centrale, un grand rangement avec deux prises USB, vous pourrez y ranger facilement votre portable et votre portefeuille. Beaucoup d'aide à la conduite, comme je vous le précisais tout à l'heure. On a l'assistant de franchissement de ligne actif, le freinage d'urgence assisté. Je m'en suis servi, alors pas volontairement bien sûr. Une personne a traversé la voie, j'étais en plein centre-ville au dernier moment et le véhicule a freiné à ma place. Ça peut vraiment sauver des vies, ça c'est quand même pas mal. Et pour finir, on a l'assistant de signalisation de routière. Donc ça vous permet de détecter par exemple les panneaux de signalisation avec les limitations de vitesse et de vous indiquer quelle est la vitesse à laquelle vous devez rouler. Il y a le système pré-safe également qui est inclus de série dans ce G63 AMG. Alors le système pré-safe, il permet de protéger les occupants d'une collision imminente en mettant en place des mesures correctives, comme par exemple la rétraction automatique des ceintures ou encore la fermeture automatique des vitres latérales. Bref, au-delà d'avoir un gros véhicule, vous avez quand même un véhicule très technologique et à la pointe en termes de sécurité. C'est bien vu par Mercedes.
toujours le fameux châssis échelle, mais une nouvelle architecture de l'essieu qui permet d'améliorer la tenue de route. C'est surtout profitable en tout terrain. Je vais vous l'expliquer en détail dans quelques minutes sur la partie off-road. On a une voiture qui est lourde, 2,5 tonnes sur la balance. Il fait quand même 170 kg de moins que l'ancien Classe G. Il faut quand même le noter. Mais vous serez le roi du feu rouge, certes, avec ses 585 chevaux. En revanche, dans le sinueux, attention, la voiture a tendance à sous-virer assez rapidement, puisque lorsqu'on accélère le rythme, les 2,5 tonnes ont une tendance à s'écarter de la corde du virage. Quant au freinage, encore une fois, le poids joue beaucoup dans la performance du freinage, même si on a de gros disques ventilés sur les quatre roues du véhicule. 2,5 tonnes lorsque vous êtes lancé à haute vitesse, c'est toujours très compliqué à arrêter. La suspension adaptative prend soin de ses passagers. Déjà, il faut savoir que vous avez quatre modes de conduite qui vont agir bien sûr sur l'ensemble moteur-boîte, sur la direction, mais aussi sur les suspensions. Vous avez le mode confort, le mode sport plus et le mode individual. Alors sachez que les suspensions, elles ont l'avantage d'être très souples, donc la voiture est extrêmement confortable. En revanche, en mode sport, notamment sport plus, on n'a pas un tarage des suspensions qui est suffisant pour attaquer avec la voiture. Donc ça, c'est vraiment dommage. On a toujours cette sensation d'un petit peu flotter. Ça s'explique aussi par la présence de ce fameux châssis échelle. Au démarrage, au freinage, dans les virages, sur route ou en tout terrain, le système de contrôle électronique de la stabilité 4TS s'enclenche automatiquement lorsqu'une ou plusieurs roues perdent l'adhérence et les freinent individuellement. Il est en parfaite interaction, d'ailleurs, il faut le noter, avec le système de transmission 4MATIC de Mercedes, l'ABS et l'ESP. Il offre donc un confort de marche optimal. On a quand même 585 chevaux sous le capot et 850 Nm de couple. Là, je suis en mode confort. Je vais prendre le petit switch ici, je vais me mettre en mode Sport Plus. Et là, regardez. Oh là 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 là! Ça pousse, c'est impressionnant. Il faut d'ailleurs faire très attention parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, le poids vous embarque tellement dans les zones sinueuses qu'on peut facilement sortir de la route si on a un petit excès de confiance. Alors, les reprises sont excellentes. Regardez, là, je suis relancé. Ça me colle au siège. Pourtant, là, on est sur un mastodonte. Hein. C'est une armoire normande. Et ce qui est assez marrant, lorsque vous mettez en seconde et vous accélérez à fond, le véhicule bouge de côté tellement le couple déforme la carrosserie presque. C'est assez hallucinant. Donc là, je me suis mis en mode sport plus. On va accélérer à fond et on va voir ce que ça donne. 585 chevaux dans un G63 AMG. Allez, c'est parti. Oh là, c'est incroyable. En fait, il a tendance à tirer sur la gauche. Ah, c'est impressionnant. Alors bien sûr, on n'est pas sur une accélération de Tesla Model X hein, comme celle que j'avais déjà essayé sur notre chaîne YouTube. Mais pour le coup, quand même, ça pousse très très fort. Je retrouve un peu exactement les mêmes sensations. D'ailleurs, c'est le même moteur que dans la Vantage que j'avais essayé aussi, d'Aston Martin. Sauf que la Vantage, il y a quelques centaines de kilos en moins. Ça doit s'approcher de presque une tonne. Mais l'accélération est vraiment saisissante. Là, regardez, par exemple, je prends le virage, je suis à 60 km/h et déjà, je sens que ça tangue énormément. Les lignes droites, c'est bien, mais les virages, il faudra adapter votre rythme. De l'essieu qui est bien spécifique. Alors déjà à l'avant, on a des suspensions avant à roues indépendantes qui sont très précises et il y a aussi un essieu rigide à l'arrière, très robuste. En fait, ils sont là pour garantir l'un et l'autre dans des situations compliquées comme ce que je suis en train de faire. Regardez le capot qui pointe vers le ciel actuellement, c'est assez impressionnant quand vous êtes au volant. Et ils permettent
surtout d'optimiser l'efficacité de la transmission intégrale et surtout ils permettent au G de ne pas dévier de son cap dans des situations off-road compliquées. Alors sachez que la garde sol de ce nouveau G culmine à quand même 24 cm. Le fameux châssis échelle équipe le Clash G depuis 1979. Alors ce type de châssis, on le retrouve sur beaucoup de 4x4 purs et durs comme le Defender ou encore le Wrangler ou le Suzuki Jimny qu'on avait déjà essayé sur notre chaîne YouTube. Alors, il permet déjà par rapport à une caisse autoporteuse. Les caisses autoporteuses, c'est ce qui équipe en fait toutes nos voitures. Contrairement à une caisse autoporteuse, déjà, il ne se déforme pas. Il permet de tracter des poids excessivement importants et surtout, en tout terrain, il est très efficace. Alors, la contrepartie, c'est que sur route, lorsque vous roulez sur des petites routes sinueuses, vous avez cette sensation de flottement. Et ça, on y perd en précision de conduite. Mais en revanche, regardez ce que je fais là actuellement. Je vais reprendre cette montée avec une voiture avec une caisse autoporteuse. Je peux vous dire que c'est un peu plus compliqué de le faire. Allez, hop, ça passe. Et ouais, hop. Commun à tous les Clash G, ce sont ces trois boutons d'activation des différentiels. Il y en a trois. Il y a un ordre bien précis à respecter. Déjà, avec ce bouton, vous pouvez enclencher le différentiel central, avec celui-ci le différentiel arrière et avec celui-ci le différentiel avant. Donc en gros, ça vous permet, lorsqu'il y a une perte de motricité, d'envoyer la force aux roues qui en ont le plus besoin. Donc là, je vais faire un croisement de pont qui est situé juste devant moi. J'ai activé le différentiel central et si je vois que ça bloque, on va voir, dès que ça bloque, je vais activer le différentiel arrière. Normalement, on devrait bloquer. Un moment. Là, je vais avancer. Voilà, là, je bloque. Là, je vais mettre le deuxième différentiel. Je ne vais même pas activer le troisième. Et là, regardez, je passe direct. Et là, on va en faire un autre qui est encore plus dur juste après. Voilà, qui est un autre passage qui est un tout petit peu plus loin dans la zone de franchissement. Voilà. Là on a passé la première zone. Alors là on va faire un obstacle qui est assez compliqué. Donc vous voyez peut-être devant moi, juste sur la droite, en fait il y a une montée qui est assez abrupte. Et bien on va la prendre, mais là pour le coup je ne vais pas passer si je n'active pas les trois différentiels. Donc là je vais activer le différentiel avant. Là j'ai les trois différentiels, c'est-à-dire que si j'ai trois roues qui sont en manque de motricité, qu'il y en a une qui est capable de motricer, c'est celle-ci qui va récupérer toute la puissance et c'est celle-ci qui va nous permettre de passer. Et là, vous allez voir dans ce type d'obstacle, c'est ce qui se passe. Regardez, on va le faire. Là, je vais monter. C'est impressionnant quand vous êtes, vous allez voir, à l'intérieur, on ne s'en rend pas trop compte. Là, regardez, j'ai la voiture complètement de côté. Hop là, j'ai bien levé la roue. Vous allez peut-être le voir sur les images extérieures. Et là, alors quand vous avez activé les trois différentiels, la voiture a du mal à tourner, donc vaut mieux les retirer. On retire le troisième et ensuite le premier. Là, j'ai enlevé les différentiels. Donc là, je peux quand même tourner beaucoup plus facilement. Regardez, là, je braque. Je ne vais pas faire un cercle de 40 mètres. Donc ça, c'est quand même une des spécificités du Clash G depuis des années. Et ça, c'est pas un gadget. Alors je sais que beaucoup de gens qui achètent des Clash G ne savent même pas que ça existe. Mais là, pour le coup, même avec les pneus qui équipent notre modèle d'essai, je peux vous assurer que vous passez dans des endroits extrêmement compliqués. Je vais reprendre l'obstacle que je viens de prendre. Sauf que là, comme mes roues ont motricé, si vous voulez, j'ai créé des petites tranchées. J'ai perdu en motricité. Là, j'ai essayé de le repasser avec les différentiels, j'arrivais pas. Donc, pas de souci. Ce que je vais faire, je vais activer donc, les différentiels 1, 2 et 3. Et là, je vais activer ce qu'on appelle le low range. Et juste ici, c'est ce qu'on appelle les vitesses courtes. Alors là, on va avoir beaucoup plus de couple qui va être transmis aux roues. Là, je pense que je vais passer du premier coup. Alors, regardez, je vais enclencher ma voie. Et là, ça motrice. Alors là, je passe avec une facilité déconcertante. Et là, encore une fois, je vais désactiver le low range et aussi mes différentiels. Ses capacités en franchissement ont été améliorées par rapport à son prédécesseur.
Si par exemple je prends le passage à gué, c'est lorsque vous passez dans de l'eau, tout simplement, si vous voulez traverser une rivière avec votre Classe G. L'ancien pouvait passer sans aucun souci dans 60 cm, celui-là peut passer dans 70 cm, donc 10 cm de plus quand même. Et sachez qu'au niveau de ses angles d'attaque, il a un angle d'attaque de 31 degrés. L'angle d'attaque, c'est lorsque ma voiture va arriver face à une pente avec une forte inclinaison, c'est l'angle qui va me permettre de passer sans que je touche ni l'avant ni l'arrière de la voiture. Donc 31 degrés, et son angle de fuite, c'est pareil, sauf que c'est lorsque vous descendez cette pente à forte inclinaison, il a un angle de fuite de 30 degrés. Mercedes indique qu'il peut gravir des côtes avec une inclinaison de 45 degrés tout de même. À titre de comparaison, si je prends le Jeep Wrangler JL, le dernier Jeep Wrangler qui est sorti, qui est une des références, je pense, la référence d'ailleurs, en franchissement aujourd'hui, en 2020, le Jeep Wrangler, lui, a un angle d'attaque de 36 degrés, un angle de fuite de 31 degrés, donc on est vraiment très proche avec ce Classe G de la référence actuelle en tout terrain. Pour conclure l'essai de ce nouveau Mercedes G63 AMG Stronger Than Time, j'ai retenu parmi ses défauts un tarif qui s'envole à près de 200 000 euros dans cette édition limitée avec les options qui équipent notre modèle d'essai, une consommation hors norme qui ferait pâlir nos amis écolos et une fiscalité extrêmement lourde en 2020 en France. Heureusement, je vous rassure, il a beaucoup de qualité. Ça commence par des capacités en franchissement et en tout terrain qui sont excellentes, un look bestial et méchant que j'adore, et des vocalises juste exceptionnelles qui vous donnent le sourire à chaque fois que vous mettez le contact. Les amis, sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17h, je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche, pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile, et moi je vous dis à la semaine prochaine, allez ciao !